N'oubliez pas qu'à 11h30 tous les jours, il y a la réunion, le stream. Donc dans 30 minutes, on a le droit de faire ce qu'on veut. On est à nouveau le roi de la chaîne. Et tu crois que la direction, elle va me dire comment tout animer? C'est ça? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Moi, la direction, tu sais ce que je lui dis? Vas-y, dis-lui, il te regarde, vas-y, dis-lui. Bah, qu'elle fait bien son boulot. Voilà. Je suis obligé de m'expliquer avec le chat parce que il me trigger de ouf. Les triggers, c'est normal. Les gars, c'est pas parce qu'on est en train de se branler sur de la technique. C'est pas pour ça que je suis en train de vous dire que c'est plus important d'acheter une barre de son que d'acheter, j'en sais rien, à bouffer. Je vous déteste, vous êtes des merdes. On va replonger. On va le faire replonger, les gars. On avait réussi à la. Il avait arrêté. Pour moi, il y a un jour particulier en ce moment puisque nous sommes en période de Koh Lanta, mon bon Rizanji. Le vendredi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois qu'il parle de l'émission. On est d'accord qu'il se fait censurer là. Ne t'inquiète pas, nous on l'entend pas dans Discord parce qu'il a une connexion en papier chips. Ne t'en fais pas, Zulu, mais les gens dans Vimix l'entendent, c'est le plus important. Bah, trop bien. Du coup, moi, je voulais parler pour moi en ce moment. Ouais, Faya, ouais, la connexion, ça va zéro, être... On entend zéro. Il est censuré. On entend zéro. Celui qui avait fait le montage un petit peu clivant de Autant n'emporte le vent avec K.O., où soi-disant je remplaçais dans son cœur Kenny Reeves et je ne sais plus quel connard. En tout cas... Enfin, le seul connard sur l'affiche, c'est toi. Oh la vache. Là, je sais pas, ça a l'air un peu plus chatoyant. T'as pas envie de lui faire un petit bisou à cet or? Non, tu sors de 2 mois de confinement. Tu es sûr que tu ne veux pas lui faire un bisou? Écoute, je sors de 2 mois de confinement, je suis fort. Résiste. Mais je vais quand même prendre son 06 après. Oh my god. Bon, j'ai goûté les frites, elles étaient trop bonnes. Ça se voit. Ils ont l'air croustillants. Ça se voit. De cuisson pour les frites, bien sûr. Bien sûr. Par contre, pourquoi il y a 3 burgers là que vous êtes 2 à la maison? Ta gueule. Qui n'est pas là demain d'habitude là? Non, c'est moi. C'est toi, K.O. Est-ce que tu peux être là demain ou pas? Parce que Adibou vient de m'envoyer un texto, il sera pas là. Dis donc, il est pas là aujourd'hui, il parle demain, il veut qu'on le vire. Ah non, mais en ce moment, Adi, il fait sa vie. J'aime beaucoup le principe de gérer son planning de prod pendant l'émission. Alors, excusez-moi, vous savez le mal de chien que j'ai à contacter Norman Genius, donc maintenant je préfère faire les réunions en émission. T'entends plus? Allô? Avec les AirPods, on t'entend plus. Mais si tu nous entends et qu'il n'y a plus la voix, il y a juste un tout petit paramètre à régler, donc à mon avis ça va revenir dans Discord. Julie, si t'es d'accord pour me donner le Batman qui est derrière toi, ne réponds pas, voir. Ah voilà, parfait. Merci Julie, c'est effectivement top. Mafia, le 1 et le 2, c'est quand même des jeux qui sont assez marquants. Bon, le 3. Ah, c'est marrant, j'attends plus Tony Hawk, moi. Si c'est un remake d'un truc qui existe déjà, bah je m'en fous. Bah après, c'est une petite annonce. Hein. Gigi, peut-être? Ouais. Ok, merci. Norman, au fil des matins, quand je t'entends, quelle star n'as-tu pas rencontrée? Enfin, franchement, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un... C'est... Mais de toute façon, je pense pas que vous la trouviez. Ah si, moi, celle que j'ai vue, je l'ai, hein. C'est Stella Warren. parce qu'elle a joué dans le Planète des Singes, elle a joué dans Kangaroo Jack. Elle a fait la pub Chanel où elle était en chaton rouge, et c'était un de mes fantasmes quand j'étais plus jeune. On a pas la même vie, quoi. There we go. A little bit better. I don't want to glance. Mais quel alpha celui-là? C'est vraiment le boss du jeu. Putain, c'est quoi ça? Monster Hunter, c'est un truc de Monster Hunter ça. What? Après je pense en 1v1 je le contrôle, tu vois, genre. Chacun son tour, imite Johnny Hallyday. On commence par Ophelos. Oula. Bonjour, c'est Johnny. Non, je sais pas, je l'ai pas du tout. Non, me mets pas la tension. Vas-y, Maxime, ciao. Bonjour, c'est Johnny. Merci beaucoup. Ah, il est pas mal. Non. Allez-y. Allumez le feu. Oups, gênant. Ah là là, faut tout faire. Salut, c'est Johnny. Physiquement, il ne ressemble en rien à l'idole. Vocalement, c'est autre chose. C'est vrai, je suis le ressort basique. À l'overall sur WW2K17. Oh, je vois. Du Paradise. T'es un peu surex, non, la Gigi? Non, t'es un peu surex. Ok, stop, c'est bon pour notre warm-up. J'irai la tête au réveil. Après, t'es pas obligé de faire ça parce que si t'avais pas l'idée et que c'est Nico qui te dit et que tu le fais, c'est que t'es vraiment une grosse. T'as des HP.
putain, j'ai fait gros. Alors, notre strat de bouffe, elle fonctionne pas. Alors, on sait pas compter jusqu'à 13, Nico le bouffe. Vas-y, faut le laver, Jumpé, t'as un boulet là. Ouais, il a un boulet. Non, mais alors, si tu fais ça, Jumpé. Non, mais c'est vrai que tu m'as bien carré il y a des fois sur des trucs. Et... Ouais, vas-y, fais pas. Du coup, voilà. C'était sûr, il y avait aucun suspense, tu m'avais levé. La Reine des Neiges, ils peuvent lui dire merci parce que ça c'était sur la porte. On peut pas le nier, on l'entend partout. Donc, voilà. Et ouais, et bref, il faut savoir. C'est lunettes, il va. Ça va pas dire qu'ils gros, vont pas là, Hugo. On dirait comme nous que je vais te demander 1 million de clochettes dans 2 secondes là. C'est vrai. Je mets mes lunettes. Avec moi à parler du film biopic sur Johnny. Dis-moi, est-ce que tu serais chaud de nous prendre en figurant dedans? Ah bah ça, ce serait génial. Ah oui, direct. Vous avez pas vu que Ruffalo, il a frise sur une image absolument incroyable. Mais oh, Rob capitale justement. Et ça, c'est peut-être. Je regarde du pays, clin d'œil. C'est peut-être pour toi. Quelle est la capitale de ce beau pays? On parle d'un pays ici, hein. Capitale de ce pays, on l'aime, on l'apprécie ce pays, mais sa capitale, quelle est-elle? Attention, je vais donner le nom de ce pays, il faudra me donner sa capitale. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Ça va très vite. Wellington. C'est la bonne réponse. Putain de merde. C'est plus une question de, entre guillemets, de s'intéresser au monde qui t'entoure et d'avoir des idées, on va dire, un peu progressistes, de pas tout le temps se dire ah c'était mieux avant. C'est plus ça la jeunesse, tu vois, c'est de vivre avec toi, avec le monde qui t'entoure, que avec celui d'où tu viens. Pardon. C'est beau. C'est Trunks aussi, il est âgé, Trunks. Oh bon. Donc Estana pour Max. Voilà. 2022, moi c'est Max 2022 dans lui, j'en ai rien à foutre. Je vais mourir le premier, c'est sûr. Le karma va frapper, les amis. Pourquoi je débute ça? Quelle bande de débiles, on est 3 à avoir fait ce pareil. On est débiles. Moi j'ai mis bien joué Mino, je rêve d'avoir ce genre d'enfant. Je pense que j'assumerai comme le père, enfin on verra, je sais pas ce que vous en pensez. Eh bah, il va rejeter dedans, bah oui, normal. Voilà le bouffe. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Y'a quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des gouttes, celui-ci! Faites un effort! Ok! Oh. En plus, le fold, gros, c'est un parpaing! Je m'excuse! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon dieu! C'est quoi cette merde? Mais c'est quoi? Ça dégoûte. Oh non, dégoûte. Mais non. Mais le quadrillage là-haut sur le front, pas sur le bide. Le matin devient la grasse mat quelque part, hein, puisque le matin qui commence à 11h, ça fait un petit peu tard. Et demain, ils ont quand même un invité un petit peu spécial, un petit peu coolos, j'ai envie de dire. JDG sera donc dans le matin c'était demain. C'était aujourd'hui, frérot. Eh bien voilà, il était ce matin. Je tenais à le dire. JDG était ce matin. Dans le matin. Donc les peluches Totoro, donc ça coûte cher une peluche Totoro, mais surtout ce que vous n'avez pas mais ailleurs. Attends, mais c'est tout petit. Sur le cul du Totoro, vous avez écrit l'inscription Totoro du musée Ghibli. Eh franchement, 60€ la peluche, mais t'as quand même une étiquette qui te dit que c'est Totoro du musée Ghibli à 60 balles. Vraiment, ça fait plaisir, on va pas se mytho. Et qui met des croix là? Mais gros, y a pas tiré l'ermite dans les yeux. Mais dans le jeu visiteur. Non mais c'est pas le nom du un personnage. Visiteur. Il y avait pas tiré l'ermite dans les visiteurs. Il confond avec Christian Clavier. Vous vous en battez les couilles, mais avec ma femme, ça fait 6 ans de mariage. Et après ces 2 mois de confinement, je l'ai toujours pas. Regardez ça. Ruffalo s'est reçu un DM. Salut, c'est toi JDG. Ah, j'aimerais bien. Dommage. Au revoir. Un objet. Alors Dina, apparemment, c'est difficile le confinement. Hein. André, faut faire ton taf là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On découvre ça tout de suite. Alors, effectivement, je pensais vous parler de Salut Zoulou. Est-ce que tu pourrais nous le faire au piano, Norman? Ah, maintenant là? Oui! Ma femme regarde un téléfilm. Rapide! Elle regarde quoi, ta femme là? Elle regarde un téléfilm coréen. Demande-lui si elle est accro. Elle est accro à toi. Hein? Ah, il me fait engueuler. Ouais, non, et je vais faire ce que j'avais dit que je ferais la semaine dernière. Je vais aller montrer où est la vraie place de Mario Kart Double Dash. Le poster est dans les chiottes. C'est tout. Quel salaud! Voilà, parce que c'est sa place. Tout ça va trop loin. Tout ça va beaucoup trop loin. Descends de là, connard. Descends. Ok.
Je ne veux rien savoir, rien entendre. Le premier qui l'ouvre, il prend une patate, d'accord? Et on a reçu un autre mail. Et alors celui-là, c'est celui qui m'a régalé. Salut Jules et salut à toute l'équipe, je m'appelle Gaël. Alors, je lui réponds, salut Gaël, comment je peux t'aider? Il me dit, je vous contacte car j'ai un problème. Comme vous, je fais des émissions sur Twitch. Malheureusement, je rencontre un problème avec l'un de mes camarades de stream. Ça fait plusieurs semaines que je lui demande de préparer un minimum ses chroniques pour l'émission. Mais à part m'appeler au téléphone tous les jours pour me raconter des conneries et me dire que je suis son frère ou que je suis le meilleur, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il travaille. Comment puis-je faire avec lui? Bah écoute, Gaël, alors, c'est compliqué ce que tu nous demandes, hein, parce que je sais pas si on peut t'aider. Nous, on rencontre pas ça dans notre émission. Sur les jambes, et c'est ce que j'expliquais. Bah non, genre oui, ok, ça tire un peu, et voilà. Et donc après, mais tu mangeais pissé, toi regardé. Aussi, t'es un cheater. Bah ouais, mais désolé, mais après il y a un moment. Faut... Moi, je me suis fait l'arrêt des fesses parce que j'avais Skrillex qui était au fond là. C'était compliqué. Et... ça m'a économisé du PQ sur plusieurs mois. C'est hallucinant. Hein. N'hésitez pas à le faire, hein, vraiment. Ah, c'était Bangarang. Sortait d'un coup, c'était parfait. Hein. Ça glissait. C'était vraiment un autre homme. On va pouvoir continuer, Faya. Vas-y. Non, c'était la dernière. C'est fini.